Give us name. On avoue devant les étudiants que vous êtes un homme d'action et de conviction. C'est la raison pour laquelle les étudiants de Parmaba demandent l'envoi des noms des étudiants qui n'ont pas encore reçu leur bourse jusqu'à présent. À la suite des revendications que mon père président vient de faire, à savoir l'activation des puces des étudiants de la promotion 6, dont on a parlé hier à Saint-Louis, nous vous prions, monsieur le coordonnateur, de nous aider à régler ces problèmes dans le plus bref délai, comme vous avez l'habitude de le faire. Mesdames et messieurs, honorables invités, auguste assemblée, ceci étant dit, je me pense automatiquement sur l'objectif de la journée. Journée d'intégration, disons-nous. Donc, c'est un nouveau bachelier. Conformément à la tradition de la célébration des journées d'intégration, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette prestigieuse université virtuelle du Sénégal. Chers nouveaux bacheliers, il me plaît à cet égard de vous prier à vous efforcer et de faire preuve de volonté pour faire partir des meilleurs étudiants du Sénégal. Je vous exhorte aussi à suivre les pas de vos aînés qui ont vécu déjà à vos places les situations les plus infernales dans cette université. Et que nonobstant tout, ils ont su rester zen et continuer à croire leur réussite dans cette université. Parce qu'aujourd'hui, ils ont vu le bout du tunnel grâce à leur bravoure et leur amour à cette université. Par ailleurs, j'ai envie de vous dire, chers bacheliers et bacheliers, que pour réussir dans cette université, il vous faut de la rigueur sur ce que vous faites. L'assiduité, du sérieux, de la patience, de la compétence, du sacrifice, du surpassement de soi. Je mesure pleinement les défis liés à l'exercice de cette fonction, mais je reste convaincu que le président de Bénin et moi-même ne ménagerons aucun effort pour mériter cette confiance. Car nous avons comme défi cette année l'union des aînés, la fraternité entre étudiants et soi, et surtout une amélioration des conditions d'études et de vie étudiantine, surtout le respect du cadre universitaire de toute promotion confondue. Ceci étant dit, j'en profite pour lancer un appel solennel à tous les étudiants pour redorer le blason de l'Université virtuelle du Sénégal de manière générale. Encore une fois, chers étudiants, apprenons à préserver cette université et à vendre notre produit à l'opinion publique, parce que personne d'autre ne le fera à notre place. Coach Subiata n'avait pas l'habitude de nous dire, je cite, la capacité de progression des individus repose entre les mains des individus eux-mêmes. Fin de citation. Cette citation veut tout simplement dire que la progression de cette université repose entre nos mains en tant qu'étudiants de cette université. Mesdames et messieurs, honorables invités, vous me permettez enfin de terminer, avant de terminer, de remercier monsieur le président du Bénin de Thiès et son équipe sur la bonne organisation de cette journée, mais aussi sur le soir de leur terme d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, honorables invités, très chers étudiants, votre attention m'honore, soyez-en remerciés. Merci beaucoup.